Est-ce que je peux faire une petite présentation de toi, David? Shh, oh my God, I can't say anything. Really? You just want my face? Donc, je vous présente David. C'est lui qui va être... David va peut-être faire partie de l'atelier de nouvelle diffusion cette année. Oui, c'est sa première expérience avec Periscope. Oui. Donc, il va être votre antenne de notre présentation aujourd'hui. Exact. Alors, merci beaucoup, David. Merci. Ça, c'est les commandes. Pas de problème. Donc, comme tu vois... quand tu voudras arrêter, tu glisses vers le bas. Okay. Puis, si tu veux retourner vers le haut. On est en direct, alors tu vas peut-être voir, toi, qu'on a déjà 3 abonnés. 3 personnes qui nous suivent. So it's recording live right now? Oui. Oh, OK. On fait toujours... Isabelle Sénécal, directrice d'innovation pédagogique au collège. J'aurais branché Isa. Isa? Marc Anuccio, directeur secondaire 4 et de l'info du secteur informatique. On laisse toujours les choses tourner d'avance parce que les gens vont joindre live avec nous. Si tu commences directement ta présentation, il y a des gens qui vont manquer le début. Alors, donc, on roule un peu au début. C'est normal, les gens vont être en attente de diffusion. On ne connaît pas Bouchki qui vient d'embarquer parce qu'il y a des gens qui vont nous suivre à cause de notre positionnement géographique. OK, cool. Mais on espère que des gens de ma liste Twitter vont se rejoindre. Est-ce qu'il y a une bonne place où il faut que je puisse enregistrer ici, c'est correct? Le son est assez bon d'habitude. Si tu vois un petit peu le présentateur, on va se dire à peu près où est Bernard et vous, directeur de secondaire au Collège Saint-Anne. On voit donc que Alexandre Gagné du Collège Notre-Dame nous a rejoint. Merci d'être là, Alexandre. Alexandre, si je peux te demander... bonjour, Alexandre. Si je peux te demander de diffuser notre tweet, c'est notre première vraie expérimentation avec Periscope. Alors, on se lance un peu dans le vide. Puis, comme je le disais dans l'autre Periscope, le modèle du cours de demain a été développé par le comité de développement pédagogique au collège depuis... durant toute l'année dernière. Donc, c'est le fruit de nos travaux. On a fait une présentation en bêta à la fin de l'année dernière. Puis là, c'est pour toute l'Assemblée générale dans quelques instants. Bonne diffusion. Super cool. Fait que t'es le journaliste de l'affaire. OK. Bon matin, tout le monde. Nous sommes déjà demain. Hein? Alors, franchement, je vais faire une demande dès le départ. On va fermer nos ordinateurs. Pour que j'aie vraiment l'attention qu'on a envie d'avoir, s'il vous plaît. Donc, le cours de demain... je pensais à cette espèce de titre-là, puis il pourrait s'avérer qu'on le trouve un peu pompeux. Puis j'ai repensé après, puis en même temps, comment dire les choses autrement. Tu sais, il y a le petit demain qui se construit au jour le jour. Tu sais, puis il y a des expressions d'ailleurs qui disent ça. Nous sommes déjà demain. De quoi sera fait demain? Tu sais, je veux dire, c'est vrai, ça existe. Fait qu'il y a le petit demain qui arrive demain là, dans 24 heures, puis qui se construit, puis qui est là bien rapidement, puis qui fait en sorte que tranquillement, pas vite, on est dans un demain beaucoup plus large. Fait que je pense que, enlevons l'aspect prétentieux, puis voyons comment tu veux dire autrement les choses. Tu sais, c'est le cours qu'on aime à s'imaginer, puis qu'on va construire tranquillement, pas vite. Première chose, donc. Alors,
je vais présenter l'équipe de ce fameux comité dans lequel j'ai eu le bonheur de moi-même participer. Alors, on va présenter cette équipe. Bon, en la regardant hier, je me suis dit, mon Dieu, qu'on n'a pas la même mine ensoleillée que celle dont Isabelle faisait mention hier. C'était au mois de janvier. Hein? C'était fin janvier, là. Alors, mais malgré tout, je pense qu'on peut reconnaître bon, une certaine bonhomie, peut-être, dans ma personne à moi. Les lèvres pulpeuses de Patrick Pouliot. J'ai retrouvé une certaine similitude avec la frange de Brigitte. Mais c'est le regard très, très candide de Ménaïque qui vraiment là, me laissait la reconnaître tout entier. Bon, il y en a d'autres qui peut-être en parallèle sont déjà très fixés sur Karine et qui se disent « Mon Dieu, quelle clash! » Hein? Mais je vous dirais que l'habit ne fait pas le moine. Alors, franchement, elle s'est jointe à nous avec habileté et ça a été très plaisant, ce comité-là, franchement. Prochaine diapo. Les origines du comité. Alors, évidemment que ceux qui sont là depuis quelques temps, ben il y a eu cette vague qu'on a pris, je ne vais pas dire plaisir, mais enfin, qu'on s'est mis à nommer les irritants. Et c'est dans cette vague-là qui est venu ce comité-là. Et sans faire là, un retour là, très grand vers ça, je vous dirais que vous vous rappelez très bien des différents comités. Je rappelle que tous les gens qui se sont investis dans les comités, c'était des gens qui le faisaient sur une base volontaire, qui avaient envie de cette communication qui avait un peu manqué. Puis au niveau même du comité dans lequel nous, on s'est inscrits, bien, il y avait peut-être aussi cette envie accrue d'une communication liée à la pédagogie cette fois. La belle différence, en tout cas à mes yeux, de ce comité-là, c'est le fait qu'au contraire des autres, on n'avait pas un échéancier aussi serré, on n'avait pas un mandat aussi concret. Puis c'était correct que les autres comités l'aient, eux. Parce qu'il y avait un comité, par exemple, sur les normes et évaluations. On disait, il fallait le régler. On attendait des choses. Même chose pour d'autres comités, dont là, je me perds, mais je sais qu'il y avait tout ce qui concernait l'absentéisme. Il fallait trouver des solutions, etc. Nous, la belle différence, et c'est le point 3, la particularité, c'est le temps. Puis le mandat qu'on n'avait pas. On n'avait pas de mandat. Il a fallu se le donner au fil du temps. Ça, c'est un luxe extraordinaire parce qu'on s'est mis à un peu jouer dans des sphères plus hautes, moins concrètes, mais en perdant pas de vue qu'il va falloir qu'on redescende de ces sphères-là. Puis je pense qu'aujourd'hui, le pont qu'on tente de créer avec vous, c'est justement d'en arriver à, tu sais, parce qu'on pourrait, là, de l'extérieur, hein, le comité du développement, le cours de demain, tu sais, genre... Quand est-ce qu'on va toucher le plancher des vaches? Bien, on l'espère, ce plancher-là. Ce plancher qui est tout à fait beau et heureux. Puis, je parle en mon nom, mais je sais que je reconnais beaucoup d'entre nous. On aime bien jouer avec des choses un petit peu plus intellectuelles, réfléchir, mais on est des praticiens, on est des gens de terrain, puis on a envie rapidement que les choses deviennent plus concrètes. Je termine parce que je vais passer la parole en vous disant que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est rien de prescriptif, c'est pas encadrant. C'est comme une proposition de réflexion, le fruit de notre réflexion qui a été inspiré de plein de choses, de l'expérience qu'on a tous. Alors, bonne présentation. Alors, ce mandat qu'on avait, je vais repartir avec un des mots de Geneviève, notre irritant, mais qui qu'on ne dit plus. On disait ça, mais c'est trop 2013 comme mot. On parle d'inconfort, mettons. Mais un inconfort certain par rapport à des problèmes de communication et ou de perception par rapport à une vision pédagogique qu'on n'aurait pas. Donc, on partait de ça. On partait aussi de faits de société évidents. Si on regarde dans la littérature, en sociaux, peu importe, l'idée que l'institution scolaire, vraiment, là, at large, a un retard de développement hallucinant. Puis pour s'en convaincre, c'est simple. Prenez quelqu'un de 1900, sacré-là en 2015,
Il a perdu tous ses repères, c'est-à-dire dans le monde du travail, il connaît pratiquement aucune profession, les outils avec lesquels les gens travaillent. À la maison, il connaît même pas les objets. Mais il y a un repère qui se trompe pas, c'est dans l'école. On a dit 1900, 2015, Randonnion, prof en avant, qui utilise peut-être un tableau intelligent, mais en utilisant le même paradigme d'enseignement, ça, il se retrouve. Manifestation de ça, ben, il y a encore dans l'institution scolaire des débats sur la place de la technologie. Vous ne voyez plus ça dans aucun type de profession, aucun type d'institution, c'est intégré. On cherche juste à comment rendre ça le plus efficient possible, le plus. Mais nous, on est encore à l'étape du débat, et jusqu'où tout ça. Conséquence, 72% des jeunes ne se reconnaissent pas à l'école, c'est pas signifiant pour eux. Clair. Dernier fait de société, les compétences évidemment des différentes professions ont complètement changé. Exemple, un policier, c'est plus juste un agent de la paix, c'est un travailleur communautaire qui se débat avec un code de déontologie super délicat, compliqué. Faut préparer ce type de compétences-là qui rentrent plus dans nos compétences transversales puis qu'on est encore à « what the… » you know. Donc, notre mandat, ça a été quoi? Ça a été évidemment de réfléchir à ces défis-là du cours de demain. Par conséquent, de se dire, bon, ben, c'est quoi les outils concrets, là, vraiment sur le terrain, nous autres, qu'on a besoin par rapport aux défis de ce cours-là? Et évidemment, ben, d'avoir une espèce de vision commune enseignant-direction. Mais pour nous parler plus précisément de ce processus, Mme Sauvé, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. J'ai le goût de chanter quand j'ai le micro. Je ne le ferai pas. Je vous parle du processus qui, vous vous en doutez bien, a été parsemé d'essais, d'erreurs, d'avancées, puis de recul également. Bref, un parcours qui était tout sauf linéaire. Le processus a été marqué par, d'abord, une réflexion commune sur cet élève de demain. Ce Z dont nous parlait notre conférencier, bien assis sur son tabouret, hier. Et bon, par la suite, évidemment, on a voulu se documenter. On a regardé différentes ressources, des articles pédagogiques sur cette école de demain. On a regardé des vidéos. On a regardé tout ce qu'on pouvait prendre comme ressources et s'inspirer de ces ressources. En troisième lieu, ben, on sait quoi? On s'est questionné sur les compétences que nous, comme profs, on devrait avoir pour amener, dans le fond, les élèves à profiter eux-mêmes de compétences qu'on pourrait développer. Et finalement, ben, vous en doutez bien, vous voyez les gens avec qui on travaille, le travail qu'on a fait a été ponctué de la recherche des mots justes. Et ça a été beaucoup de travail de réflexion là-dessus, mais de recherche, puis même d'aller dans le dictionnaire. Puis de regarder c'est quoi la définition, par exemple, du guide. Qu'est-ce qu'un guide? Parce qu'on prétend tous être un guide pour nos élèves. Alors, la définition, je vais vous la lire. Personne qui donne une direction morale, intellectuelle, qui dirige quelqu'un. Personne qui montre le chemin, qui renseigne, qui accompagne. Personne qui conseille d'autres personnes dans la vie. Alors, c'est en prenant conscience de la richesse des mots aussi qu'on a réfléchi à la multiplicité des rôles qu'on pouvait jouer. Donc, processus. Je passe la parole à... Je pense que... Alors, à mon tour de vous présenter finalement le fruit de notre travail. Vous allez voir un fruit jeune, à la chair ferme, mais très mûr. Vous allez voir, très mûr. Alors, ce fruit, finalement, de notre travail, ça a été, bon, comme on l'a dit, avec beaucoup, beaucoup de discussions, mais aussi inspiré fortement de la littérature scientifique en éducation, mais c'est clair, teinté de notre propre intelligence du milieu, nos valeurs, notre vision. Donc, ça a été des échanges relevés, très, très riches, mais qui nous ont permis ces échanges-là d'arriver à un modèle. Alors, on va vous le présenter, ce ne sera pas très long. Ce modèle-là, on le veut, un modèle qui nous ressemble. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Les buts du modèle, ou encore pour ceux qui sont ici ce matin, à casser, ça va servir.
Alors, à quoi ça va servir? Je vais vous dire tout d'abord à quoi ça ne servira pas. Ça ne servira pas, comme Geneviève vous l'a dit, à vous donner plus de travail. Mais là, je ne veux pas péter votre bulle, pas vous en donner moins non plus, là, quand même. Ça ne servira pas à surveiller au jour le jour ce qu'on fait dans nos classes, comme ça ne servira pas à vous faire perdre les quelques livres gagnés cet été à coup de barbecue de mojito. Okay? Ça ne fera pas ça. À quoi ça va vous servir, par contre, et c'est là que c'est super intéressant, un, ça va nous donner à tout le monde une vision commune du chemin qu'on veut entreprendre ensemble sur le plan pédagogique. Une vision commune, un langage commun pour en parler. Et aussi, ce que je trouve particulièrement intéressant sur un plan plus individuel, un modèle d'orientation. Comment j'oriente ma pratique, comment je me situe face à ce cours de demain, face à cet élève de demain. Et aussi, ça permet en aval de décider aussi de pistes d'orientation professionnelle sur un plan plus large. Dans le collège, par exemple, qu'est-ce qu'on offre comme formation de développement professionnel? Donc, c'est vraiment un modèle qui va nous servir, on l'espère. Et pour pas que ce modèle-là prenne la poussière ou stabilise des pupitres dans la classe, bien, on l'a voulu, ce modèle-là, très accessible, très simple, visuel. Vous allez avoir deux modèles plus synthétiques en ligne. Bon, Thinglink, on vous en parlera tout à l'heure. Et aussi une version plus étoffée papier qui va vous être remise à la sortie. Donc, on le voulait simple, visuel, facile d'accès. Et vous allez voir, je pense qu'on a fait vraiment un bon boulot là-dessus. Alors, on vous le présente. Karen. Bonjour. En fait, tout d'abord, ce modèle-là, est-ce qu'on peut mettre le visuel? Moi, quand j'ai entendu, moi, je suis arrivée, comme vous avez vu, décoiffée un peu plus tard dans le processus. Moi, modèle, c'est un mot qui me fait peur, alors que c'est finalement pas du tout. Je pense que c'est visuellement attrayant pour nous aider finalement à nous guider à travers notre pratique. Non, celui-là. Ça me va. La seule chose, c'est peut-être de mettre un écran. Est-ce que vous voyez bien? Et je vais vous guider, en fait, à travers la lecture de ce modèle-là. Je peux tout faire sans micro? Est-ce que vous m'entendez bien? Non? Oui. Oui? Non? OK. Je vais le faire avec micro. Ça me limite dans mes mouvements et je suis une personne très, très gestuelle, donc je vais me limiter. L'idée ici, c'est que notre élève de demain, celui d'aujourd'hui, on se fait dire là, ad nauseam qu'on ne sait pas, en fait, les métiers qui l'attendent, cet élève-là. Donc, on ne sait pas tout à fait quoi enseigner. Sur le plan disciplinaire, on ne peut pas dire, ah oui, en français, moi, je suis convaincue qu'il va exercer tel et tel métier, donc je dois lui enseigner telle et telle notion. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'on souhaite avoir un profil d'élève qui puisse en fait être flexible, qui puisse s'adapter à toutes sortes de situations qu'il va vivre dans l'avenir. Et je pense que cet élève-là, on est arrivé à cerner des compétences qu'il doit développer. Et là, on vous inscrit profil de sortie. En fait, c'est à la fin de son parcours à Saint-Anne, 5, 11, 25 années, il sera en mesure finalement de ressembler, d'avoir su développer des compétences. Et ces compétences-là, on voit par exemple qu'on souhaite qu'ils puissent développer une pensée analytique et créative. Je pense qu'on va être tous d'accord pour dire que cet élève-là, on le souhaite justement créatif. Créatif, justement, on sait que les gens qui sont créatifs, ce sont des gens qui peuvent s'adapter à toutes sortes de situations. C'est vraiment un outil qu'on souhaite leur remettre à la fin de leur parcours à Saint-Anne. Donc, on souhaite un élève créatif, on souhaite un élève créatif pour résoudre des problèmes. On souhaite qu'il développe une communication habile, mais communiquer, ça veut dire aussi savoir écouter. Donc, moi, je sais en français que j'ai pas juste à développer une compétence langagière sur le plan oral, mais aussi sur le plan de l'écoute. Donc, le travail d'équipe, bien sûr, puis ça, je pense qu'on le fait assez bien.
Ensuite, la culture du numérique. Puis là, je m'arrête 30 secondes pour vous dire que ce modèle-là, pour l'instant, ça semble très touffu. Vous allez avoir du temps tantôt pour approfondir. Comme chacune de ces compétences-là, on a pris le temps de les écrire, de les développer, et vous aurez ce temps-là pour vous les approprier. Pour l'instant, ça reste encore peut-être un peu vague, mais l'idée, c'est juste que vous ayez une compréhension globale pour ensuite aller plonger individuellement dans ce modèle-là. On souhaite aussi qu'ils développent comme compétence une perspective sur le monde, développer un esprit souple et audacieux, et finalement, qu'il arrive à prendre des décisions qui sont intègres et qui lui-même se respecte sur le plan éthique et qui respecte les autres. Donc, voici notre élève. Il est au cœur de nos réflexions. Il est au cœur de nos réflexions tout au long de ce comité-là. Donc, voici le profil de sortie qu'on souhaite pour cet élève-là. Maintenant, comment moi, comme enseignante, je peux accompagner cet élève-là à développer ses compétences? Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait finalement 7 rôles, c'est bien 7, hein, je pense, oui, 11, c'est 7 profils, ouais. Donc, 11 rôles que l'enseignant pouvait jouer. Donc, ça ne veut pas dire que moi, au quotidien, lorsque je fais un travail auprès de mes élèves sur, bon, France parlera d'un projet de littérature, ça ne veut pas dire que quand je mets en place une situation d'enseignement comme ça, que je me retrouve à jouer tous les rôles que peut jouer un enseignant. Non, je vais me centrer, je vais avoir conscience que quand j'enseigne tel segment de mon cours, ben, je suis plus finalement un guide. Donc, ces rôles-là, est-ce qu'on peut les présenter? Est-ce qu'on les voit bien sur le Teamly? Sinon, comme vous les voyez, on les voit à l'intérieur du personnage du professeur. Donc, ambassadeur, entraîneur, un passeur culturel, un évaluateur, on ne s'en sort pas. Pendant la pause que tu as, oui. Je suis certaine que tu y allais, là, mais comprenez bien que le fameux modèle qui va vous être présenté, c'est que ce soit toutes les compétences liées au profil de sortie, que ce soit les rôles, il y aura des puces qui vont vous permettre d'avoir là, vraiment là, un descriptif de ce qu'on a compris, nous, quand on disait qu'il était guide, par exemple. Parce que nous avons un modèle sur lequel il est possible d'appuyer sur certains petits boutons et ça nous amène finalement à ces rôles-là. C'est plus simple visuellement, c'est cet outil-là que vous avez. Je pense qu'Isabelle, tu l'as déjà envoyé aux gens, donc ils ont déjà accès à ce modèle-là. OK, donc ça, il est juste ici. Donc, quand on entre sur le modèle, on voit les puces comme ça qui nous informent des différents rôles que peut jouer un enseignant à différents moments de son enseignement. Donc, on aurait, par exemple, donc innovateur. Et on a défini qu'est-ce que veut dire un enseignant dont le rôle, à ce moment-là, son enseignement, est d'être innovateur. Donc, en identifiant les besoins d'amélioration, je ne vous les lirai pas tous parce que ce n'est pas ça l'objectif, vous allez le faire individuellement. Mais c'est de voir, OK, moi, quel rôle je peux jouer quand j'enseigne telle notion. Tu veux t'ajouter pour les enseignants, ça va? Ensuite, OK, donc il y a un profil de sortie espéré pour notre élève, des compétences à développer. Donc, moi, je participe comme enseignant à développer ces compétences-là. Parfait. Par le biais de différents rôles que je suis amenée à jouer au quotidien. Maintenant, j'ai besoin d'outils pour ce faire. Donc, j'utilise des stratégies d'enseignement qui sont adaptées à la situation d'enseignement. J'ai des stratégies d'évaluation qui sont aussi dans mon coffre d'outils, qu'il faut qu'ils soient également adaptées. Et je m'appuie sur du matériel pédagogique, des outils numériques et finalement un modèle de classe qui favorise cet échange-là, qui favorise cette collaboration-là. L'idée, c'est que cet élève-là, on le souhaite allumer. Et comment, moi, je parviens à l'allumer? C'est un peu ça que ce modèle-là nous amène, finalement, à développer. Autre chose à ajouter? Non.
Tout à l'heure, Geneviève parlait qu'il faut que ce modèle-là s'incarne, qu'il puisse vivre. Quand le modèle a été présenté une première fois en juin, aux quelques personnes les plus curieuses qui avaient le temps de venir à notre présentation, deux enseignantes, nos collègues, se sont senties interpellées et sont avec nous aujourd'hui. Donc, dans quelques instants, je vais accueillir d'abord France et toute son expérience pour voir qu'elle... Et toute son expérience! France a utilisé le modèle pour réfléchir à certains de ses cours et voir est-ce que ce modèle-là est vivant ou bien est-ce qu'il, effectivement, peut avoir une vie. Alors, on va l'écouter. Puis ensuite, ça sera au tour de Jasmine qui, elle aussi, gentiment a accepté de traduire le modèle en ses mots puis en sa pratique. Donc, à vous, mesdames. Merci, Jean. Donc, c'est assez simple, finalement. Quand on s'assoit devant le modèle, on prend le temps de cliquer chaque puce. On regarde rapidement, vous allez voir que notre projet, finalement, est cohérent et structuré. Donc, c'est rassurant pour, comme enseignant, d'appliquer ce modèle-là. Donc, le projet de littérature, c'est un concours de fin d'année. À la fin de l'année, c'est une activité ludique, qui est le concours. Et c'est une forme de bilan en lecture et en écriture. Donc, je vous présente rapidement le profil de sortie. Alors, on plonge dans la culture du numérique, on s'approprie un nouveau format littéraire, en fait, qui est un touche. Un tweet, je le dis bien, de 140 caractères exactement, en incluant les espaces. Et ça demande de développer un esprit souple et audacieux, parce qu'au départ, même les auteurs, écrire un texte littéraire en 140 caractères exactement, même eux résistaient à le faire et ont plongé. Alors, on doit s'adapter. Tout ça, c'est dans les onglets, je ne l'ai pas inventé. Vous cliquez sur les puces et c'est là. Alors, faire preuve de flexibilité dans sa pensée, d'expérimenter, d'accepter l'incertitude. Oui, je peux écrire un texte littéraire en 140 caractères avec figure de style. Je dois me dépasser. C'est un concours. Mon tweet, mon touche va être diffusé. Les élèves vont voter. Les élèves de ma classe, tout d'abord, les élèves de toute la classe de 5e, ensuite, et finalement, des membres de la direction. Le nom n'apparaîtra pas, mais je dois cultiver l'indépendance d'esprit, c'est-à-dire, oui, je vais écrire quelque chose que tout le monde va lire, et j'explore. J'explore d'autres habiletés. Et ce qui est extraordinaire dans ce concours-là, c'est que ce n'est pas un concours d'excellence. Les élèves qui ont gagné le concours, ce ne sont pas des premiers de classe en français. Et on en était très heureux. Le rôle qu'on a eu là-dedans, comme prof, et là, comme je vous dis, on a cliqué les onglets, j'ai fait ça avec Karen, et justement, les puces plutôt. Et on a vu qu'il y avait trois rôles. Planificateur, alors anticiper les obstacles. Il y a une résistance. Parce qu'au départ, le sujet, c'est « Parle-nous d'une expérience littéraire. » La première chose que les élèves vont dire, « Bien, il n'y a pas de lecture, ils m'ont marqué. On va ouvrir un film. » Sentiment d'incompétence, écrire en son caractère, je ne peux pas. Donc, on a mis un temps limite pour ne pas perdre son temps. 60 minutes, tu le remets le lendemain. Outils de diffusion, Twitter. Là, on pense à tous les aspects de Twitter. Il y a des élèves qui n'ont pas de compte. Il y a des élèves qui n'en veulent pas. Donc, on n'a pas diffusé sur Twitter. On a finalement diffusé seulement à la toute fin sur le compte du collège. Des objectifs réalistes. Donc, c'est un concours ouvert à tous, mais à partir d'une expérience commune. Tous ont lu Un ange cornu avec des ailes de taureau de Michel Tremblay, qui est un recueil de récits où il raconte des expériences littéraires de son enfance. Donc, eux faisaient la même chose, mais en 140 caractères. Et nous, on joue le rôle d'entraîneur là-dedans. Pendant les 60 minutes où ils rédigent individuellement, bien, c'est certain qu'il y a beaucoup de rétroactions. Il y a des élèves qui viennent nous voir, on circule, on répond à leurs questions. Veulent valider leur figure de style, parce que c'est pas évident quand même d'insérer des figures de style dans un petit texte de 140 caractères. Et surtout, on joue le rôle de passeur culturel, parce que l'œuvre de Tremblay, ça s'inscrit dans un contexte particulier d'une époque et d'un lieu aussi. Donc, grande noirceur vers la Révolution tranquille et au Québec, et surtout Montréal. Donc, passeur culturel. Stratégie adaptée à la compétence ciblée. La compétence était l'écriture, donc synthétiser une expérience littéraire et créer un effet chez le lecteur. Donc, de là servent les figures de style. Et finalement, les outils portables. Un compteur de mots qu'on peut trouver sur Internet, puis pluriportail pour déposer le travail. Alors, c'est tout simple comme ça. On choisit un projet,
Et justement, ça vous permet de constater que votre projet est très cohérent et que vous êtes un bon enseignant. C'est bon? Merci. Bonjour tout le monde. Moi, de mon peu d'expérience, je vais expliquer, dans le fond, oui, si on peut mettre l'image. C'est tout à fait différent. En fait, je vais aussi montrer que chaque modèle de sortie, profil de sortie, pardon, de l'élève, sont pas tous complexes. Ou, tu sais, comme le mien va être vraiment très simple, je pense que ça va être un peu moins long à expliquer. Mais avec mon nom, mais je veux dire, c'est parce que ça peut être élaboré longtemps, tu peux vraiment aller. Puis aussi, une autre chose, je veux valider, dans ce modèle-là, on peut partir dans chaque extrémité du modèle. On peut partir de nous, qu'est-ce qu'on se perçoit, comment on se perçoit, et aussi, on peut partir du profil de sortie de l'élève. Donc, on peut vraiment aller dans tous les sens, puis se poser des questions, savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut, puis c'est vraiment super intéressant. Donc, moi, je suis partie du profil de sortie de l'élève. J'ai parlé du fait qu'on travaille beaucoup en équipe. J'ai utilisé, dans le fond, comme système d'apprentissage, le kayak, qui est une activité qui est assez complexe pour les élèves. Ils doivent vraiment se mettre en confiance. Et je suis aboutie, dans le fond, au rôle que moi j'avais, qui était d'être un modèle. Donc, c'est très rare que les enseignants vont rentrer dans l'eau en éducation physique pour la simple et bonne raison. C'est vraiment complexe. Après ça, il faut que tu sortes, il faut que tu aies d'autres cours, juste le simple fait qu'il fait froid aussi des fois. Mais dans ce contexte-là, je n'ai pas le choix. Il faut absolument que je sois un modèle, il faut absolument que je rentre dans l'eau, que j'explique aux élèves en quoi ça va consister, puis que je démontre l'activité. Une fois que c'est fait, les élèves se mettent en équipe de deux, doivent, dans le fond, s'entraider, comme on l'a vu sur l'image. Il y a une grande partie où l'élève se retrouve en dessous de l'eau. C'est son coéquipier qui va le sortir de l'eau. Donc, tout cet aspect-là de faire confiance à un autre individu dans un travail d'équipe, c'est super important. Que ce soit dans n'importe quelle matière, c'est sûr que nous, c'est vraiment très concret dans le sens où il faut physiquement faire confiance à l'autre. Mais en même temps, ça demande aussi d'être attentif à dans quelle situation je me mets moi dans un travail d'équipe. Donc là, vous pouvez commencer à penser à tous les projets que vous avez faits avec vos élèves. Si les élèves ne pensent pas toujours à ça, moi, je pense qu'avec cette activité-là, ça leur donne cet outil-là. D'être capable d'être conscient, dans le fond, si je décide de mettre à l'eau, est-ce que mon partenaire est à 5 mètres, pardon, est à 5 mètres, 10 mètres de moi, combien de temps ça va prendre avant qu'il vienne me chercher? Mais c'est un peu le même principe dans le travail d'équipe, par écrit, par exemple, ou n'importe quoi. Est-ce que je me mets avec quelqu'un qui est efficace, qui va être là quand je vais en avoir besoin? Donc, aussi la communication, comment on communique avec les gens dans notre équipe. Pour ce qui est des stratégies d'évaluation, ça n'a pas été fait encore, mais ce modèle-là m'a permis justement de réfléchir à une nouvelle stratégie qui serait de s'évaluer par évaluation par les pairs. Donc, ça les mobilise. Même chose que France disait, ça ne sort pas des mots de ma tête, là, c'est vraiment la mobilisation dans les stratégies d'évaluation, mais ça en fait partie. C'est vraiment, ça mobilise l'élève à se dire, ben, je vais évaluer mon partenaire, savoir s'il a vraiment fait une bonne job dans un travail d'équipe. Donc, c'est ça. Je suis partie d'une activité. J'ai été chercher un peu tout ce qui se passait dans ce modèle-là, et puis j'ai trouvé ça super intéressant. Merci tout le monde. Merci les membres du comité. Vous avez fait une super belle présentation. Ça se trouve, je vous engage encore à venir. Ça paraît que vous avez un peu d'expérience devant des jeunes, ça paraît. Merci France, merci Jasmine de vous être lancée parce que, bon, France et Jasmine étaient là à la pratique générale et donc avaient une compréhension, somme toute, c'était vraiment un premier niveau, là, une première approche. Donc, merci beaucoup. Je vous explique la suite. Si on veut, l'appropriation du cours de demain, parce que là, c'est un survol qu'on a fait. C'est peut-être pas nécessairement évident pour vous là, de voir comment ça peut s'appliquer. Donc, dans un premier temps, on vous a divisé par département. Je vais répéter les locaux. En sortant, vous pourrez prendre votre temps parce que l'activité est prévue pour commencer à 9h. Donc, vous allez pouvoir prendre votre temps. Vous allez avoir besoin de vos portables en classe parce que vous allez... C'est individuel, la première partie. On va vous remettre un cahier de présentation qui est tellement beau
Il est tout frais imprimé. Je l'ai reçu hier, j'ai dormi avec. Je l'adore. On est vraiment très, très fiers. Alors, on va vous en remettre un. Et dans le cahier de préparation, il y a un article que j'ai rédigé sur les changements, sur le monde en changement, parce que ça fait des années qu'on me dit « Ah, le monde en changement, alors, ça change, ça change, ça change. » C'est quoi les changements? C'est quoi la nature des changements? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on est capable de les nommer? Tout le monde dit que le monde est en changement. Tout le monde le fait. C'est quoi? C'est quoi les changements? Donc, on a besoin de comprendre. Et pour qu'un changement s'opère, ça doit être un besoin. Donc, c'est important de bien les comprendre. Vous n'avez pas à le lire aujourd'hui, mais faites-moi le plaisir de le lire, par exemple. Et ça va vous permettre de bien comprendre le modèle, d'où ça vient. Et c'est un peu, si on veut, j'ai rien inventé. Là. Moi, je suis pas une chercheure, je suis loin d'être une intellectuelle et je suis encore loin d'être une écrivaine ou une journaliste. Mais c'est un peu la synthèse du fruit de nos recherches, finalement, et tout ça qu'on a essayé de synthétiser et de vous présenter. Donc, on va vous remettre un cahier de présentation. En haut, la première partie, je vous ai envoyé ce matin un questionnaire autodiagnostique. Donc, pour faire le questionnaire autodiagnostique, vous allez avoir besoin du cahier de présentation. Vous prenez le temps de lire et de voir où vous vous situez dans ce modèle-là. On ne recueille pas de données individuelles, mais on va avoir des données collectives qui peut-être vont nous aiguiller sur du développement professionnel, les besoins sont où, mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est de s'approprier le modèle. Je vous ai préparé une feuille de notes de quoi vous voudriez peut-être vous indiquer des aides-mémoires. Mais ça vous appartient complètement. De la même façon que cet exercice-là vous appartient complètement, mais souvent, on vous donne des documents et on vous donne des belles choses qu'on fait et vous n'avez pas le temps de les lire. Là, on s'est dit, on va leur donner le temps de lire parce que c'est pas un an et demi qu'on travaille là-dessus. Hein? Donc, vous le méritez, puis on le mérite aussi. Donc, je vous laisse une bonne lecture de ce document-là. Après, il va y avoir une pause ici en bas. Et pour la troisième portion, qui va être une portion quand même assez courte, l'exercice que Jasmine et France ont fait, vous allez le faire par équipe disciplinaire, c'est-à-dire français secondaire 1, français secondaire 2, et ainsi de suite. Mais vous n'avez rien à inventer. Prenez quelque chose que vous faites déjà et voyez quelles sont les compétences que je développe, quels sont les rôles que je mobilise. Et est-ce que les choix que j'ai faits au niveau, parce que c'est pas pour rien qu'on a mis un coffre à outils. Parce que l'enseignant, à travers les rôles qu'il joue, comment est-ce qu'il va réussir à développer des compétences? Bien, c'est par ses choix. Dans sa boîte à outils, il va prendre quoi? Ça va amener les élèves où? En fond, c'est ce que le schéma représente. L'enseignant est seul avec ses choix et il y amène l'élève ailleurs. Et moi, il y a quelque chose qui est important de dire aussi. C'est que, bon, il y a partout dans le monde, les gens travaillent sur le concept de l'école de demain. Nous, on a choisi de travailler sur le cours de demain. Parce que comme enseignant, nous, on a envie de travailler avec vous. Puis comme enseignant, vous avez plus ou moins de portée sur l'école de demain. Mais votre cours, par exemple, il vous appartient et vous en êtes maître. Vous êtes maître, vous êtes guide, vous le décidez, vous le planifiez. Donc, pour nous, c'était beaucoup plus pertinent de partir du cours de demain en s'assurant que tout le monde suit. Et il y a un des membres du comité de développement pédagogique qui, parce que les gens ici n'étaient pas tous convaincus, là, au départ. Ça a été un long processus. Et à un moment donné, un des membres qui nous a dit, moi, dans tout ça, là, je me suis toujours dit, je suis une bonne enseignante. Mes élèves réussissent, ils passent leur cours. Puis, ils m'aiment bien, ils me trouvent fine. Ça fait la job, mais est-ce que c'est juste ça? Est-ce que je pourrais pas faire un peu plus, les amener un petit peu plus loin? Et ça, moi, ça m'a beaucoup touchée. Et c'est un peu ça que le modèle du cours de demain reflète. Alors, comme je le disais dans la deuxième partie, vous allez faire ce travail-là avec une activité que vous avez déjà faite, un peu comme ce que France et Jasmine ont fait, et après vous allez changer, et après vous allez être libre. Je vous remercie de prendre ce temps-là avec nous ce matin. C'est très important. C'est une vision qui va être installée pour des années. Et vous allez voir que le 7 octobre, quand on va présenter la planification du développement professionnel, on est cohérent. Et on va vous donner les moyens aussi
de faire des choses que vous avez envie de faire. Même s'il y a déjà un paquet de choses incroyables qui se passent, ce qu'on vous dit, c'est on vous encourage, on est avec vous. Alors voilà. Est-ce que mes collègues peuvent aller à l'arrière distribuer les... Et je vais rappeler les logos. Anglais, espagnol, P211. C'est en haut. Français, P213. Art, danse, musique ensemble au P216. ECR, univers social au P224. Sciences au P226. Mathématiques au P228 et éducation physique au P230. Six personnes avec nous, je ne sais pas si ce ne serait pas l'occasion de répondre à des questions de nos quelques spectateurs. Sinon, en ligne, par mon compte Twitter, Jean Desjardins, J. Desjardins 1861, je pourrais vous renseigner davantage sur notre démarche et sur nos outils. La suite, c'est un processus continu qui va prendre forme cette année par notre politique de toutes les activités de développement professionnel, nos ateliers, nos communautés de pratique sont inspirées du modèle de cours de demain. Pour l'instant, les enseignants vont réfléchir à leurs activités gagnantes et voir à quel point certaines s'inscrivent déjà dans le modèle de cours de demain. Et l'outil leur servira peut-être à aller plus loin. J'ai de la misère à encadrer mon collègue David qui a fait cette retransmission très, très généreusement pour vous puis pour nous. Merci énormément, David. Bienvenue, avec plaisir. Ton premier contact avec Periscope, qu'est-ce que tu as à nous en dire? Ah, c'est magnifique, hyper facile, puis c'est sûrement quelque chose que je pourrais utiliser dans mes cours. Tu verras dans notre site certaines des bonnes utilisations de Periscope. Oui. La diffusion, bien sûr, mais aussi montrer les coulisses. Toi, dans tes cours, souvent, les élèves développent des projets, donc les montrer en préparation du grand événement, exact, c'est vraiment génial. C'est ça. Puis, j'ai vu récemment passer aussi le fait que de réfléchir avant ou après une conférence, par exemple, de récolter les réactions à la sortie des gens hier, ou bien quand tu dois donner un... Si tu vas à la conférence au colloque des profs d'anglais, puis que tu donnes un topo, un atelier là-dessus, de partager tes réflexions, ton excitation ou ce que tu essayes de faire, donc divulguer tes intentions. Ouais. Super intéressant. J'ai le lapsus, les enseignants, et évalue. je m'excuse, j'ai de la difficulté à vous lire. Merci pour les cœurs, c'est très, très gentil. Si vous avez posé une question il y a quelques instants, est-ce que je peux vous demander de la répéter? Sinon, on va terminer la diffusion très bientôt. Dans quelques secondes encore. Là, les enseignants et enseignantes s'en vont dans les différents locaux qui leur ont été assignés. Moi, je travaille avec les profs d'anglais à récolter leur... à voir leur application de leur projet avec le modèle. Donc, pas de questions. Ben, merci beaucoup. Merci. David, encore une fois, David Ranali est enseignant au Collège Sainte-Anne en anglais, langue seconde. Cette année, à quel niveau? En seconde 5, en anglais enrichi. Ouais. A fait l'atelier de ludification co-animé avec moi puis Anne-Marie Goyet, l'atelier de ludification l'année dernière, puis j'essaie de le courtiser à l'atelier de nouvelle diffusion pour cette année. Donc merci à tous, merci d'avoir été là. À merci. Bientôt.